La plus grande qualité, c'est l'interaction avec la foule. Vraiment, tu vas dire, ah, c'est celui qui chante le mieux, c'est celui qui fait la meilleure musique. Moi, c'est l'interaction. C'est très important que mon artiste va donner un spectacle de qualité, mais qu'ils vont interagir avec la foule. D'avoir l'envie de vouloir connaître une communauté. Parce que quand ils viennent c'est toujours assez spécial de faire une tournée en Ontario. Ils vont aller d'une ville à l'autre, puis les communautés sont totalement différentes, les envies sont totalement différentes et la réception va être différente. Je pense qu'il faut que les artistes aient une envie d'écouter d'abord les diffuseurs. Il faut que les diffuseurs aussi fassent leur travail, de dire voilà quel est le type de public que j'ai. Pour éviter qu'il y ait des soirées qui soient poches, soit qui ne fonctionnent pas. Je m'assure qu'avant que l'artiste vienne chez nous, qu'on ait eu une bonne communication, soit avec l'agent ou l'artiste même, pour dire, es-tu prête à signer? Parce qu'il aime beaucoup que l'artiste vienne signer les autographes, tout ça. Alors, on règle tout ça pour qu'une fois qu'il arrive, c'est l'accueil complet, qu'on n'a pas à lui demander 1000 questions. Oui, je demande tout ça. Moi, j'ai eu des expériences où j'ai pas pris le temps, j'ai fait des erreurs aussi, où j'ai pas pris le temps d'expliquer à l'artiste quel genre de public il allait avoir en face de lui, puis ça a pas du tout marché. Par contre, j'ai des artistes qui ont vraiment écouté, qui ont vraiment mis un effort pour être, pas un effort, mais en tout cas, c'était pas si compliqué que ça, mais je veux dire qui ont pris le temps d'écouter, tiens, qui est-ce que je vais avoir en face de moi? Donc, c'est vraiment d'abord, eux, la volonté de... qui est mon public ce soir-là? Pour qui est-ce que je vais jouer? Parce qu'en plus, ça leur sert aussi à eux. C'est-à-dire que si le public a capoté avec un artiste, potentiellement, il va vouloir le suivre. Potentiellement, il va vouloir acheter un CD. Donc, c'est pas juste j'encaisse un chèque, je viens jouer ma petite tune, puis je m'en vais. Donc, c'est vraiment ça que je cherche. Bah, j'aurais dû mettre ça avant, mais il y a aussi le talent. Juste rapidement.